suffit, t'avais dit juste un petit pipi. Mais oui, mais ça devait être un petit pipi, mais comme il y a beaucoup évacué, bah, c'est long. Oui, bah, tu m'excuses, mais moi j'y vais. Hein. Hein. Oh mon Dieu, Sophie, la porte est bloquée. Non, mais moi je suis claustrophobe, hein. Ne t'énerve pas, détends-toi, laisse faire une vraie femme. Attends, on est enfermé là. Bah oui. Au secours! Sortez-moi d'ici, je suis une célébrité! Oh non, pas encore! Quoi? Mais pas encore un nouvel an où on est enfermé! Y'a quelqu'un? Au secours! Ah non! Ah non, c'est hors de question que je reste enfermée pour le nouvel an! En plus, il y a Émilie Dupuis qui devait me présenter en producteur de cinéma! Ah bah c'est nouveau ça, tu veux faire actrice maintenant? Bah non, pas du tout, je voulais juste le rencontrer. Faire sa connaissance. Oui, bah moi si j'étais toi, j'éviterais. Mais pourquoi? Mais parce que les hommes te glissent entre les doigts comme les savonnettes dans les baignoires, Sophie. Ça commence toujours merveilleusement et ça se termine en catastrophe. T'en as eu combien des hommes cette année? Plus que Kim Kardashian? Ah bah. Mais moins que Paris Hilton. Sophie Panville, je sais que je suis pas le plus beau, ni même le plus intelligent. Ah bah ça en revanche, c'est un peu décevant. Oh, salut Antoine. Bonjour Nixon. Alors en fait, si tu veux, je l'ai rencontré vendredi et... Et on est mercredi et moi je pars pas en vacances pour tenir la chandelle. De toute façon, tu vas le larguer en cours de route, je te connais. Ah ben, peut-être pas, tiens, cette fois-ci. C'est lui. Mais pourquoi? Mais avec moi, vous rigolerez tous les jours. Mais j'adore rigoler. Et femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Vous savez quoi? Non. Rendez-vous demain chez moi. Voici ma carte. On pourra parler de clignoteurs, de couleurs de voiture et même du Tour de France. Enfin, de tout ce que vous voulez. Ah, j'adore le Tour de France. Mmh. Et vous verrez qu'il y a pas que les bagnoles que je talonne. À quelle heure? Quand tu veux. Et puis oublie ce producteur. Tout n'est pas perdu avec Fred. Hein. Bats-toi pour que ça marche. C'est quand même étrange. Quoi? Bah, que je sorte avec un policier alors que je me fais arrêter toutes les 2 semaines. Ah oui, ça, la vie a ses surprises auxquelles on ne s'attend pas. Tadam, tadam, tam 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 tam. Oh my god, c'est le commissaire de Neve. Je suis menotté et on est au commissariat. Sans shampoing. Oui, et je voudrais pas dire, mais... Non mais vas-y, dis-le, je sens que ça te démange. La dernière fois qu'une fille s'est plainte de pas avoir de shampoing à la télévision, elle a fini en prison. Papier, s'il vous plaît. Fred. Sophie. Mais non. Comment ça, Fred? Mais oui, c'est Fred. Mais non, ton Fred. Antoine. Papa. Et voilà. Et bien, bravo, 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 c'est fini. Ça va? J'ai failli tuer mon père. Habille en tante Irène. Ah ben oui, mais tu sais ce qu'elle te dit, ta tante Irène? Elle te dit de respecter tes distances de freinage. Papa. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de me dire? En fait, je crois que j'aime assez ça, être enfermée avec toi dans les toilettes pour le nouvel an. Moi aussi. Et puis quand c'est pas dans les toilettes, c'est sur les aires d'autoroute, tu te souviens? On a besoin que de nous deux, après tout. Exactement, les autres, on s'en fout. Les autres, on s'en fout. Best friends forever. Yeah. Parce que t'es mon meilleur ami, pour le meilleur et pour le pire. Ta personne numéro 1, c'est moi. Tu sais, Antoine, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, Sophie, avec toi, ce serait plutôt un verre d'eau agité. Je vais te dire, tu vas conduire et rester en vie, ok? Parce que moi, je t'aime. Oh, c'est super gentil, ma soquette. Sophie, t'avais dit juste un petit pipi. Oui, mais il est long. Et il durera le temps qu'il durera. Et je vais être actrice. Dites, les scénaristes, si l'année prochaine vous pouviez me la faire un tout petit peu plus aimable, ça serait super. Et bonne année.